Cette fiction est basée sur une histoire vraie. The first time I laid my eyes on you, I knew we'd spend this life side by side. I still feel the same, though you're so far away. I swear that you'll always be mine, forever love. Rythme cardiaque normal, pression sanguine 70. Jeune femme trouvée inconsciente. Respiration normale. Pas de réaction. Pression sanguine 70 au toucher. Branchez le moniteur. Allez-y. Rythme cardiaque indice. Pression sanguine 70. Dépêchons. Surveillez le moniteur. Rythme cardiaque normal. Allez me chercher les rayons X. Chute. Alex, par ici. Comment est-elle? Elle nous a encore rien dit. Où est-elle? Je veux la voir, où est-elle? Tu ne pourras pas entrer, Alex. Pourquoi? C'est ma femme, non? Remettez le diagnostic au labo. Pas bien. Merci. Le docteur Mitchell est attendu en salle d'opération. Le docteur Mitchell est attendu en salle d'opération. Non, merci, je viens de faire un match. Je parie 10 dollars que je vous gagne. Je ne veux pas prendre votre argent. C'est vous qui risquez d'en perdre. D'accord, allons. Et voilà, je vous l'avais bien dit. D'accord, commencez à compter. Bien sûr, ça fait déjà un. Oh, mais... hop, hop. Ouais, deux pour vous. Attention. Ah mon Dieu, vous non. Non. Ouh, doucement, pas. Doucement. Ouais. Ouh. Pas mal. On peut savoir quel est votre prénom? Lydie. Lydie. Simon. Lydie Simon. Regardez bien, Lydie. Vous êtes prête? Ah. Attention, panier. Ouais. Oh, c'était le hasard. Non, je suis un vrai pro. Vous ne m'arrêtez ah, plus. C'est ce qu'on va voir. Donne-moi attention. Ah. Ouais. Vous me devez 10 dollars. Et si on faisait la revanche? Et si vous m'invitiez à dîner? Très volontiers. Si le dîner ne coûte pas plus de 10 dollars. Bon, d'accord. Je sais que ça va te sembler un peu rapide, mais je viens de passer les deux plus beaux mois de ma vie. Écoute, Lydie, je suis sérieux, tu dois me croire. Lydie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime comme un fou. Je sais, tu dois te dire que je précipite les choses, que je suis dingue. Mais j'ai envie de faire des folies avec toi. C'est une demande en mariage? Oui. T'en es sûr? Oui. Oh. Alors, c'est oui? Pour moi. Oui! Vite! Venez vite! Où se passe-t-il? Attention! Son rythme cardiaque s'emballe. Qu'est-ce qu'elle a? Appelle le médecin. Répondez-moi donc d'un chien, que se passe-t-il? Laissez-moi contrôler la tension. Merci, papa. C'est le plus beau jour de ma vie. Oh, ma vie, je suis belle. Maman, pleure pas. Je t'adore. Je suis si heureuse.
Moi, je t'aime de plus en plus. Et moi encore plus. Moi, Alex, accepte de prendre pour épouse Lydie ici présente, de l'aimer, de la chérir, de la protéger tout au long de notre vie, dans la richesse et la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. On veut entendre les discours. Attention, s'il vous plaît. Alex, aujourd'hui tu viens d'épouser ma meilleure amie et tu as intérêt à prendre bien soin d'elle. Je voulais dire que Jerry et moi, nous vous adorons et nous vous souhaitons la plus extraordinaire nuit de noces. Oh, santé. Je lève mon verre au miracle de l'amour et à la rencontre de deux êtres qui vont santé. Si bien ensemble. Santé. Merci, Gaël. Santé. À nous. À vos amours. À vous. Bon, mais... des cordes. C'est génial. Pas bonne. Votre femme a eu une attaque. C'est impossible. Elle est trop jeune. Nous appelons ça une arythmie. Le cerveau est resté trop longtemps sans oxygène et a causé un coma. Elle n'a aucune chance de se réveiller. Je comprends. Mais nous pouvons sûrement faire quelque chose, docteur. La seule chose que nous pouvons faire, c'est attendre. Mais attendre quoi? Attendre que son cerveau se réoxygène. Tu penses obtenir ce prêt? Eh bien, on sera fixé la semaine prochaine. Si la banque donne son accord, on déménage l'été prochain. Oh, ce sera génial. N'est-ce pas? Jerry et toi, nos voisins de palier. Et si on se débrouille vraiment bien, on pourra même s'arranger pour cuisiner un jour sur deux. Goûte ça. Tu es sûre que ce petit arbre va résister au climat d'ici? Je ne me fie jamais à ce qu'ils racontent dans les bouquins de jardinage. Je te parie que mon lilas va devenir centenaire. Ça me surprendrait absolument pas. C'est bon ton machin. Ça te plaît? Tu sais que tu pourrais commercialiser tes plats? Je plaisante pas. Je suis sûre que les traiteurs t'en prendraient. Et même les restaurants du coin. Non, je te vois venir avec tes idées à dormir debout, Lizzie. Tu as pris des verres? Je suis très sérieuse. Pour une fois, ça n'est pas une idée farfelue. Tu le regretteras, crois-moi. Tu pourrais te faire une fortune avec ce truc. Je n'ai pas le temps de m'en occuper, si tu veux savoir. Mais pourquoi? T'es enceinte, toi aussi? Pas encore. Pourquoi moi aussi? Tu veux dire que tu es... Oh, Lydie! J'en ai encore parlé à personne, tu sais. Et moi, je suis personne. Oh, je suis sûre d'une chose, en tout cas, c'est que je n'ai aucune préférence entre fille et garçon. Si c'est un garçon, il s'appellera James. Mais pour la fille, on n'est pas encore tout à fait d'accord avec Alex. Il aime bien Nicole. Et moi, je préfère Emma. Emma? Oh! Emma Brooks, ça sonne bien. Et moi, j'ai pas mon avis à donner, non? Bah, il faut accepter la défaite, Alex. Dis-moi, Jerry, pour l'association, tu marches avec nous ou pas? Il me faut plus de détails, Alex. Comment ça, des détails? René, Alain et moi, on va commencer aussitôt que nous serons inscrits au barreau et voilà tout. Oui, mais vous voulez défendre la veuve et l'orphelin. Et je vais ouvrir un cabinet d'affaires. Ah bon? Et depuis quand? Depuis toujours. Disons que je préfère avoir des clients en costume trois pièces. T'as un cœur en or, Jerry. J'ai surtout une femme à entretenir. Ouais, bien sûr. Ah, j'adore ce genre de discours. J'en connais un qui va devoir travailler dur, mon Dieu. C'est vraiment magnifique. Il ne manque plus que la photo de toi et d'Emma pour mettre à l'intérieur. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Allez, une dernière fois. La loi sur les pratiques commerciales réglementées. Non, Lydie, je la connais. Trouve-le.
Il suffit que tu fasses l'impasse sur une seule loi pour qu'elle tombe le jour du concours. Tu es impitoyable avec moi. Ah, vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi, je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Je t'ai eu. Attention. Maman, tes lunettes, elles sont tombées. Tes lunettes, regarde maman. Maman. Maman, maman, réveille-toi. Maman, s'il te plaît, lève-toi. Maman, réveille-toi. Maman, lève-toi. Maman, maman. Maman, réveille-toi. Maman. Cela fait déjà une semaine que votre femme est dans le coma. Son état n'a pas changé. Ce n'est pas bon signe. Que faut-il faire, d'après vous, docteur? Il faut regarder la réalité en face. Son état est stationnaire, monsieur Brox. Son cœur est solide, elle peut rester comme ça pendant très longtemps. Il n'y a rien à faire sauf s'assurer qu'elle est bien suivie. Vous pouvez la garder à l'hôpital? Non, malheureusement, l'hôpital ne peut pas la garder plus longtemps. Il faut trouver une maison. Non. Non, je ne la mettrai pas dans une maison de repos. Vous n'avez pas le choix, monsieur. Alors, je la ramène chez nous. Écoutez, il lui faut des soins permanents, une surveillance médicale continue avec du matériel spécialisé et un traitement. Je ferai tout ce qu'il faudra pour la soigner, docteur. Je ne la mettrai pas dans une maison où personne ne la connaît. Où personne ne sait qui elle a été. Pousse le lit jusqu'à la fenêtre. Comme ça, oui. Voilà. Je veux qu'elle puisse sentir la chaleur du soleil sur son visage. Alex, tu es sûr que c'est une bonne idée? Kyle, c'est la seule chose à faire. J'ai fait le serment de m'occuper d'elle jusqu'au dernier soupir, et c'est exactement ce que je vais faire. Regarde, j'ai trouvé les deux photos pour le médaillon. Nous sommes près de toi, Lizzie. Nous sommes là, ne t'inquiète pas. Nous allons prendre soin de toi. Papa. Chérie. Je veux que mon nounours reste avec elle. Il fera des câlins. C'est une excellente idée, ma puce. Viens là. Je voudrais lui chanter une berceuse. C'est elle qui me l'a apprise. Eh bien, chante. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi, je dis que les bonbons valent mieux que la raison. À vous dirai-je, maman. Je ne sais pas si tu aimerais ta nouvelle coupe de cheveux. On pourrait peut-être faire revenir quelques boucles sur le front, comme ça. Tu as toujours détesté avoir le visage dégagé, je sais bien. Mais je te trouve toujours jolie, tu sais, même ébouriffée. Au fait, Emma va rentrer à l'école la semaine prochaine. C'est Gail qui l'accompagnera. Et qui restera avec elle le premier jour au cas où elle aurait peur. Tout ira bien. Je vais te passer un peu de crème sur les mains. Comme ça, douce. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour ma puce. Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle a déjà parcouru 10 kilomètres.
Sa condition physique est excellente, mais je ne vois aucun changement. Oui, je sais. Fais-moi voir. Tu es toujours aussi jolie, ma grande fille. Cet après-midi, j'ai réalisé quelque chose, maman. Après des mois entiers de stage aux côtés de papa, et après avoir assisté à des dizaines de plaidoiries, je sais maintenant ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Brox et Brox. Avocat à la cour. Je t'assure que papa a été enchanté de l'apprendre. J'ai toujours cru qu'elle choisirait une carrière artistique. Ta fille te ressemble tellement, Letty. C'est ton portrait craché. Mais la vie n'a plus la même saveur sans toi. Repose-toi bien, ma chérie. Emma est en train de pleurer. Tu veux aller voir si tout va bien? Où suis-je, Alex? À la maison, chérie. Je me sens tout engourdie. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi suis-je comme ça? Eh bien, tu es tombée malade et ça fait un long moment qu'on te soigne, chérie. Mais tu es guérie maintenant. Non, 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 non. N'essaie pas de bouger. Reste allongée, Lydie. Le docteur Berry, s'il vous plaît. Voulez-vous le biper, je vous prie, ici, Alex Brox, qu'il me rappelle, c'est très urgent. Merci. De visage, qu'est-ce qui t'est arrivé? Litsy, tu m'as tellement manqué. Depuis quand est-ce que je suis comme ça? Un long moment. Oui, mais depuis quand? Écoute, nous avons tout notre temps maintenant. Reste calme. Non, dis-moi. Ça fait très longtemps. Emma. Où est Emma? Elle va très bien. Elle a beaucoup grandi. Tu la verras tout à l'heure. Elle avait rendez-vous avec un garçon. Avec un garçon? Et quel âge est-elle? Elle a 22 ans. Bien, je peux vous dire que vous êtes une miraculée, Lydie. Est-ce que je vais mieux? Bien, si vous voulez mon avis, vous allez à merveille. Mais qu'est-ce s'est-il passé, docteur? Pourquoi s'est-elle réveillée d'un coup? Disons que ce miracle fait partie des mystères du corps humain. Ce n'est pas une réponse, certes, mais... Lorsque nous aurons fait tous les examens cliniques, je vous en dirai plus. Pour l'instant, il n'y a rien à ajouter. Reposez-vous, Madame Brox. Mm-hmm. Merci, docteur. Tu es magnifique, Lydie. Oh, j'ai tellement changé. On dirait qu'il n'y a pas que moi qui ai changé. Oui. Oui, j'ai pris quelques rides et quelques kilos. Papa, tu es où?
dire? Comment va-t-elle réagir? Tout va bien se passer, tu verras. Tu es prête? Emma, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ta mère vient de... Mais où... Emma. Oh, ma petite fille. Oh, maman. Laissez allumer, s'il te plaît, Alex. Merci. C'est tout simplement extraordinaire. Pour être honnête avec vous, je dirais que votre cerveau s'est rétabli tout seul. Mais est-ce que je suis en bonne santé? Bien, selon les premiers résultats, vous n'avez pas l'air d'avoir de séquelles. J'ai envie de marcher. Quand est-ce que je pourrais marcher, docteur? Lorsque vous en aurez la force. Et maintenant? On peut rentrer? Eh bien, je vais la garder en observation pendant au moins 24 heures. Ensuite, je la verrai une fois par semaine. Je ferai de mon mieux pour vous éloigner des médias afin que vous puissiez mener une vie tout à fait normale. Est-ce qu'il est possible que je m'endorme et que je me réveille plus? Il est important que je sois franc avec vous. Nous évoluons, en ce qui vous concerne, en territoire inconnu. Il est toujours possible que votre maladie se déclenche à nouveau. Mais vous êtes sorti du coma et nous avons toutes les raisons de croire que vous êtes tiré d'affaire. Salut, c'est moi. Et cette convention? Oh, je sais, j'ai pas mis les pieds au bureau, j'ai passé une semaine... Enfin, plutôt mouvementée, je dois dire. Gaëlle, écoute, j'ai une chose incroyable à t'annoncer et je voulais que tu l'apprennes par moi. Tu sais, Lizzie, j'ai tout fait pour entretenir ce lilas. Le jardinier a fait tout ce qu'il pouvait, mais il n'a jamais fleuri qu'avec toi. Oh, ce jardin est toujours aussi mignon. Ouais. Je me revois planter mes arbustes comme si c'était hier. Où sont Gail et Jerry? Est-ce qu'on pourra les voir bientôt? Qu'est-ce qu'il y a? Gail va très bien. Mais... Jerry est mort. Il y a 5 ans, dans un accident de voiture. Oh, non. Et leurs enfants? Ils ont eu des enfants, n'est-ce pas? Non, non. Ils ont essayé pendant plusieurs années, mais... Pauvre Gail. J'ai besoin de la revoir. Bientôt. Parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. Que veux-tu savoir? Je sais que tu es avocat. Je suppose que tu as été reçu au barreau. Dis-moi la vérité. Tu es tombé sur la loi des pratiques commerciales? Une fois de plus, tu avais raison, Lizzie. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai tout raconté en détail. Emma et moi, on te racontait toujours tout. On te racontait notre vie tous les soirs. Est-ce que tu nous entendais? Est-ce que tu te souviens de nos discours? Oui, peut-être. Au fond de mon cœur, je devais ressentir chaque événement de votre vie. Et maintenant, je sais que je n'ai pas rêvé.
Je vois bien que t'évites de parler de mes parents. Qu'as-tu peur de me dire à leur sujet? Lizzie. Alex. Dis-moi. Ils sont morts tous les deux. Je suis désolé, chérie. Ta mère est tombée malade. Ça a duré plusieurs années. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu pour la sauver, mais elle nous a quittés. Et ton père a eu une attaque 3 ans après en faisant son jardin. Il n'a pas souffert. Je n'étais pas là pour leur dire adieu. Tu es en train de faire. Je veux essayer d'attraper ce bouquin là-haut. Mais demande-moi, voyons, je l'attraperai. J'en ai marre que tout le monde fasse les choses à ma place, Alex. Je veux juste descendre de cette chaise. Écoute, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Le docteur Paris t'a dit de faire très attention. Il l'a dit quand je me sentirai prête. Ça fait une éternité que je suis sur cette chaise. Je veux me lever et voir si je suis capable de marcher. D'accord, d'accord. On va faire un essai. D'accord. Bah, si tu veux. Bah, on y va. Laisse-moi te détacher. Tourne-toi par là, voilà. C'est bon. Voilà. Penche-toi en avant. Tiens-toi bien. Doucement. D'accord. Doucement, Lizzie. Ah. Ça va? Oui, oui, oui. Viens devant moi. Doucement. Il y a un truc qui me gêne. Appuie-toi sur moi. Attends. Attention. Doucement. Voilà. C'est bien, chérie. C'est encore toi qui dirige. Tu te débrouilles comme un chef. Oui. C'est merveilleux, je tiens debout. Attends. Doucement. Tu vois, je tiens debout. Tu es sûr? Ouais. Ça ira pour aujourd'hui, Lizzie. Ah, arrête. Tourne-toi. Attends, je me repose une seconde. Attends. Oui. Tiens-moi, je peux passer mon bras par-dessus. Voilà. Ça va comme ça? Oh, c'est génial. C'est génial. J'y arrive. Voilà, de bonnes tartines bien grillées. Tu vas finir par être en retard au bureau. Donne, je me débrouille. Je fais ce que je peux. Dépêche-toi. Lizzie, je ne suis pas sûre que tu puisses rester seule. Écoute, je vais travailler ici aujourd'hui. Non, Alex, je vais beaucoup mieux, tu sais. Ça fait des jours que je marche. Et le docteur Beris a dit que je pouvais vivre normalement. Par conséquent, tu peux commencer à me laisser respirer toute seule, mon chéri. Allez, tu vas être en retard. Tu me promets d'appeler si tu as besoin de quelque chose. Si tu ne comprends pas quelque chose. Oui, c'est promis. J'ai déjà préparé ma liste. Une liste de quoi? Premièrement, la liposuction. J'ai vu la publicité sur le journal. Mais t'en as pas besoin. En voilà des manières. Gail? Oh, Gail! Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Lizzie, je n'en crois pas mes yeux. Et en plus, tu es resplendissante. Je ne te demande pas si tu as bien dit. Ah, je ne le conseille pas à mon pire ennemi. Il faut que tu la surveilles parce que je sais qu'elle ne va pas être raisonnable. À ce soir. Bye, bye. J'ai tellement de choses à te dire. Depuis quand est-ce que tu marches? Depuis quelques jours. Oh, c'est formidable. Ouais. Tu as l'air en pleine forme. Je crois pas mes yeux. Quand Alex m'a appelé l'autre jour, j'étais à New York et j'ai pris le premier avion pour rentrer. Alex m'a dit que tu avais été formidable pendant toutes ces années. Il m'a tout raconté pour Jerry. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ça a été une période très difficile. Ça fait déjà 5 ans. C'était le soir de Noël. Tu te rends compte? Mais toi, tu es là. Et ça, c'est formidable. Oui, j'ai des tas de choses à rattraper depuis 20 ans, plaisir. Tu sais guère. D'abord, il faut absolument que je sorte de cette maison. Non, Alex va me tuer. Alex nous tuera toutes les deux. Non, eh bien, va t'habiller. On va déjeuner ensemble comme avant. Ouais.
J'ai drop quasiment neuf que je n'ai mise qu'une seule fois. Tu as déjà trouvé le temps de faire du shopping? J'ai réservé pour Madame deux. Madame Sawyer, je ne savais pas que vous veniez. Bonjour, Greg. Si vous voulez me suivre. Bien sûr. Oui, vous avez raison. Il est vraiment excellent. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Je vous en prie. Merci, Greg. J'ai adoré votre crème à l'orange. Oh, vraiment? Bon appétit, mesdames. Merci. Comment ça se fait qu'on soit passé devant tout le monde? Est-ce que tu serais quelqu'un d'important? Non. Mais j'avais réservé. Ah. C'est un travail qui n'est pas loin de la perfection. Oh. Il y a beaucoup de talent. Je vois. Oui. Oh, regarde ça, Gail, regarde. Et là. Je vous remercie, oui, j'y serai. Au revoir. Incroyable. Oh, Lydie, c'est tellement bon de te revoir. Celle-ci est votre meilleure recette, Madame Sawyer. Merci. Bon, tu vas finir par me dire ce qui se passe ici. Tu te souviens que tu me conseillais de vendre mes recettes? Ouais. Eh bien, j'ai suivi tes bons conseils. C'est vrai? Oui, j'ai lancé les meilleurs desserts de Madame Sawyer. Je les vends à tous les restaurants du coin. Oh. Eh bien, dans ce cas, ma chère, je n'ai aucune raison de m'en priver. C'est un délice. Tu l'es? Si tu avais été une véritable copine, Gail, tu en aurais glissé en cachette dans ma perfusion. Parle-moi un peu d'Alex. Que veux-tu savoir? Comment il était? Ce qu'il a fait de sa vie pendant toutes ces années? C'est un homme formidable, tu sais. Il a tout assumé seul. Il s'occupait de toi tous les jours. Il élevait Emma tout seul. Est-ce qu'il voyait quelqu'un? Est-ce qu'il avait quelqu'un? C'est tout à fait possible. Comment ça, c'est tout à fait possible? Bien, tout le monde lui conseillait de recommencer à vivre normalement, mais il disait qu'il n'était pas prêt. Je n'en aurais pas voulu du tout, après tout ce qu'il a fait. Oh oui, c'est normal. Je veux dire, il a le droit d'être heureux. Ouais. Oui. J'espère au moins qu'il a eu le privilège de crouler sous les desserts de Madame Sawyer. Ah, quelle bonne surprise. Ça doit faire 10 ans que je n'ai pas mangé de véritable glace à la vanille. Exactement comme au bon vieux temps, mon cher amour. Lydie, cet après-midi, j'ai appelé au moins 3 fois à la maison. Ah ouais? Il devait être 5 heures quand je suis rentrée. Et Gail aurait mieux fait de papoter avec toi ici pour vos retrouvailles. Écoute, on a passé une journée extraordinaire. Non, non, merci. Lydie, ne change pas de sujet, d'accord? Justement, oui. À ce sujet, le docteur Beris a dit que je pouvais faire tout ce dont je me sentais capable. Et je me sens capable de faire absolument tout ce que je veux. Quoi? Lydie, écoute-moi. Je crois qu'il ne faut pas précipiter les choses. Ce n'est pas notre premier rendez-vous. Je sais, mais c'est un peu comme si ça l'était. Et ton corps n'est pas encore prêt à supporter de tels bouleversements d'un seul coup. Tu ne veux pas faire l'amour avec moi? Non, non, Lydie, ce n'est pas ça. Mais c'est quoi alors? C'est quoi? C'est que... j'ai peur de te perdre, Lydie. Tu ne me l'as pas dit. Je croyais que tu avais cessé de m'aimer. Non, voyons. Maman, papa, j'ai quelque chose de très important à vous dire.
Papa, où vous êtes? Emma? Chuck, comment tu vas? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est le secret d'Emma. Ah. Entre, Gaël. Que se passe-t-il ici? Entre, tu vas voir. Tu étais tellement évasive au téléphone. Eh bien, entre et assieds-toi. Bon, on attend. Papa? Eh bien, Emma a insisté pour que vous le sachiez aujourd'hui. Vous êtes les trois personnes que j'aime le plus au monde et je voulais que vous soyez réunies ce soir. Chuck et moi avons décidé de nous marier. Ouais. Oh, merveilleux. Oh, Emma, mes félicitations, Chuck. Je suis heureux pour vous deux, les enfants. Merci, Tangail. Oh, Chuck, soyez heureux. Merci, mes félicitations. Oh, papa, je suis si heureuse. Tu as fait le bon choix. C'était merveilleux. Je suis heureuse, ma chérie. Oh, ma chérie. Tu vas te marier. Je suis si heureuse pour toi, Emma. Merci, maman. Comment tu vas? Je viens. Gaëlle. Non, ne dis rien. C'est ni le moment, ni le lieu. D'accord. On vous souhaite une longue et merveilleuse vie ensemble. À ma fille et à l'homme qu'elle aime. Jean. Bon futur mari. Moi, je t'aime encore plus. Bonjour, mon amour. Bonjour. Tu as bien dormi? Moulin à café électrique. Ça n'existe plus, le café déjà moulu qu'on trouve au supermarché? Oui, mais celui-là, tu vas voir, il est bien meilleur. Ah bon? Si je comprends bien, au bout d'un moment, le progrès, c'est de retourner 20 ans en arrière. Peut-être, mais attends de goûter mon café, tu verras. D'accord. Alors? Quel est le programme aujourd'hui? Beris m'a dit de faire de la marche sur un tapis roulant, alors Gaël m'emmène à la gym. Ça te fait quoi de retrouver ton amie? On sait plus comme avant. Elle a pris un sacré coup de vieux. Ne dis jamais à Gaël ce que tu viens de me dire. C'est pourtant pas l'envie qui m'en manque. Ça va, Lydie? C'est pas trop dur? Oh, j'aimais déjà pas la gymnastique il y a 20 ans, alors aujourd'hui. Mais les fringues sont mieux qu'avant. Lydie, tu m'as drôlement manqué. À chaque fois que je voyais des amies discuter, rire entre elles, se raconter leurs petits secrets, j'étais jalouse d'elles. Non. Oh, je veux essayer celle-là. Oh non, non, non. Ça, c'est pas une bonne idée. Mais c'est la machine qui fait tout. C'est ce qu'on croit en regardant faire les autres, mais ça, ce n'est qu'une impression. Je t'en prie, Lydie, non. Lydie, viens. Madame Sawyer? Oh, David, quelle surprise. Comment tu vas? Très bien. Merci, et oh, Emma? Elle va très bien. Oh, c'est génial. Voici la maman d'Emma, Lydie. Vous rigolez? J'ai du mal à le croire. Emma doit être aux anges. Ravie de vous Enchantée connaître. Enchantée de vous connaître, David. David est un vieil ami d'Emma. Ah! Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu, David. Oui, j'étais assez pris ces derniers temps. Est-ce que tu savais qu'Emma allait se marier? Ah non, je ne savais pas ça. Oui, et elle se marie dans 3 semaines. Aujourd'hui, nous vous proposons cette merveilleuse paire de chaussures en cuir. Oui, et quels sont les autres coloris disponibles? D'accord, je voudrais en commander une paire. Mais surtout en 2 larges. Ouais. Mesdames. Oui, à la même adresse. Parfait, merci. Au revoir. T'as vu ça, c'est génial. Tu fais du lèche-vitrine à la télévision. Je me suis acheté une superbe écharpe, 2 paires de chaussures et un machin pour faire des pâtes en 5 minutes. C'est vrai? Ouais. Je connais ça, maman. J'ai même toute une garde-robe remplie de choses que je n'ai jamais portées. C'est vrai? Eh oui. Qu'est-ce que c'est? Les brochures pour la réception. Ah, fais voir. En fait, Chuck aimerait qu'on se marie ici. C'est au centre de la ville, tu te souviens? Moi, j'aimerais que ça se passe plutôt à l'extérieur, comme pour le vôtre. C'est plus romantique. Mais Chuck insiste, il veut l'air conditionné. Il dit qu'on prend trop de risques en l'organisant dehors. J'ai rencontré un ami à toi aujourd'hui. Ah oui? Qui ça? David. Ah.
Il est très mignon, hein? Oui, je sais. Ça l'a bouleversé d'apprendre que tu te mariais. Ah. Ça te dirait de m'accompagner en ville samedi pour choisir ma robe de mariée? Ah, bien sûr. Génial. Elle n'est pas très enthousiaste. Comment? Elle n'a pas l'air très heureuse. Quoi? Emma est très heureuse. Je me souviens, et c'est une des rares choses dont je me souvienne, combien j'étais impatiente et heureuse de me marier. Emma est ravie de se marier. Je pense que ça les rassure tous les deux. Ils se ressemblent. Ils ont la même passion pour leur métier et c'est peut-être pour ça qu'elle l'a choisi et qu'elle l'épouse. Alex, est-ce que tu t'entends? Notre fille a choisi l'homme avec qui elle va passer le restant de ses jours et à t'entendre, c'est comme si elle achetait une voiture. Emma et Chuck se considèrent comme des associés. Et la passion, qu'est-ce que t'en fais? Tu sous-entends qu'ils ne s'aiment pas. Je dis que notre fille devrait être follement amoureuse de son mari. Et si elle ne l'est pas, alors elle fait peut-être une erreur. Je veux que tu me dises exactement de quoi il s'agit. Ce n'est pas d'Emma dont tu parles. Bien sûr qu'il s'agit d'Emma. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne l'aime pas? Je le vois dans ses yeux, Alex. Allons, Lizzie, calme-toi. Ça n'a aucun sens. Arrête de materner. Depuis que je me suis réveillée, tu n'arrêtes pas. J'ai le droit de me mettre en colère. J'ai le droit de vivre. J'ai aussi la permission de faire l'amour, tu sais, Alex. Je ne vais pas me casser en deux. On va se mettre au vert pendant quelques jours. On a besoin de se retrouver un peu tous les deux. Quelque chose ne va pas, Letty? C'est bon. Rien ne va. Où comptez-vous aller? Au chalet. Ah, c'est plutôt agréable à cette époque de l'année. Ouais. Michel, je regrette, mais mes clients ont la loi pour eux. Ils n'ont pas l'intention de transiger et on me l'a clairement fait comprendre. C'est définitif. Écoute, on ne peut pas se mettre la compagnie d'assurance à dos sur cette affaire. D'accord, je te rappelle à mon retour. Au revoir. On est venu ici parce que tu voulais qu'on soit seuls tous les deux. Je suis désolé, mais ça ne pouvait pas attendre. Pourquoi? Tu languissais de dire à cette femme que sa grève de moi l'épinière était refusée? Non, j'ai promis à son avocat qu'elle aurait une réponse aujourd'hui. Comment une compagnie d'assurance peut-elle refuser de lui donner une chance de vivre? Il considère qu'il s'agit d'une expérience médicale et rien d'autre. Je n'ai pas le droit de porter un jugement. En tout cas, tu ne leur donnes pas tort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as toujours dit que tu voulais utiliser la loi pour aider ton prochain. Mais je fais ce que je peux pour aider les gens. Les holdings d'assurance ne sont pas des personnes. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai choisi de représenter les plus grandes compagnies? Non. Parce qu'elles me versent de plus gros honoraires. Et ça me permet de payer les factures. Maintenant, si ça ternit l'image que tu avais de moi, je suis vraiment désolé. Et si j'ai fait tout ça pour en arriver là... Tu te souviens de notre première dispute? Tu ne m'as pas parlé pendant des jours. J'ai fini par avoir raison de toi. Tu m'avais chanté notre chanson préférée toute la nuit sous ma fenêtre. Jusqu'au matin. On avait failli se faire virer du campus.
Cette robe te va ravir, ma chérie. C'est exactement ce que tu voulais. C'est vrai, elle me va bien. Oui. Et celle que j'ai essayée avec les épaules nues et les gants en dentelle, tu sais? Ah oui, moi j'aimais beaucoup celle-ci. Oui, mais n'oublie pas que tu en avais une sans manche le jour du diplôme et tu m'avais dit qu'elle était très inconfortable. Tu t'en souviens? Ah oui, tu as raison, j'avais oublié. Ça ne coûte rien d'en essayer une autre. Si tu préfères l'autre, prends l'autre. Mais n'oublie pas que tu dois être à l'aise. Oui, tante Gail a raison, celle-ci est beaucoup plus jolie. Celle-ci est très belle, elle te va très bien. Je prends celle-là alors. Je la reprends un peu à la taille. Oui, très légèrement. Comme ça, ça ira. Maman ! Maman ! Lydie ! Lydie ! Je suis désolée, je ne voulais pas. Écoute, rends ton nom à la boutique, oublions tout ça. Je ne peux pas oublier, c'est terminé. Tu deviens paranoïaque. Paranoïaque ? Tu fais tout pour me remplacer. Tu t'accapares Emma, tu sais ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. J'ai juste aidé Alex à élever votre enfant. Tu aurais fait la même chose pour moi. Alex avait besoin qu'on le soutienne un peu. Et tu t'es occupée de lui, n'est-ce pas? On peut savoir ce que tu as insinué par là? Tu as toujours eu un penchant pour Alex. C'était l'occasion ou jamais de jouer le rôle de sa femme. Je ne répondrai pas à ça. Tu as très largement dépassé les limites. Je ne t'ai pas entendu le nier. Je n'ai pas à me défendre ou à défendre ton mari. Tu ne peux pas imaginer une seconde avec quelle tendresse il s'occupait de toi. Il te parlait, te soignait. Moi, je ne connais pas beaucoup d'hommes qui auraient fait ce que ton mari a fait pour toi, tu sais. Tu es amoureuse de lui. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Je ne comprends pas pourquoi tu ne me l'as pas dit. Lydie, chérie, est-ce que tout va bien? Pourquoi est-ce que tu n'as pas tout simplement divorcé il y a 20 ans, Alex? Tu aurais pu te remarier. Tu aurais pu refaire ta vie. Je n'aurais jamais fait ça. Je me suis promis de rester près de toi. Nous formions une famille. Et je t'aimais. Mais après toutes ces années de coma, tu devais m'en vouloir d'être un tel fardeau pour vous deux. Non. D'accord, je reconnais que ce n'était pas facile tous les jours, mais je gardais l'espoir. Et je l'ai fait parce que je le voulais. Tu le voulais? Oui. Ou tu te sentais obligé de le faire? Non. Écoute, je sais que... ce week-end n'a pas été aussi réussi qu'on l'espérait. Je ferai de mon mieux, ma chérie. Il nous faut encore un peu de patience. Il nous faut du temps pour y apprendre à se connaître. Pourquoi tu ne décroches pas ton téléphone quand j'appelle? Je ne suis pas encore prête à en parler. Nous devons en parler, c'est important. Alex et moi ne t'aurions jamais laissé tomber. Essaie d'imaginer par où nous sommes passés. On perdait Jerry. Faut-il nous condamner pour s'être rapprochés l'un de l'autre? Ce n'est pas facile pour moi, tu peux me croire. Essaie de comprendre. Je te comprends, Gail. Mais c'est très douloureux. Alex ne doit pas savoir que je sais. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Je ne dirai rien du tout. Tu peux compter sur moi. Merci. Et où en est la commande de ce matin? Le livreur est parti. Très bien. Je vous livre les tartes aux noix de pécan. Vous me direz ce que vous en pensez. Au revoir. Bonjour, Alex.
J'avais besoin de te voir. Comment vas-tu? Vu les circonstances, je dirais que ça peut aller. Écoute, je sais que ça doit être très difficile pour toi. Je ne suis pas seule dans cette histoire, Alex. C'est très difficile pour moi aussi, bien sûr. Je me fais du souci pour vous deux. Lizzie va bientôt finir par découvrir la vérité. Tôt ou tard, elle non, saura que... c'est hors de question, elle n'est pas prête pour ça. Elle risque de s'en apercevoir bien avant que tu décides de lui dire. Et là, ce sera une catastrophe. Non, elle est encore beaucoup trop fragile. Écoute, je lui dirai la vérité lorsque je serai persuadée qu'elle est en mesure de contrôler les événements. Alex, aucun d'entre nous n'est en mesure de contrôler les événements. Eh oui, avec un si joli visage, tu vas gagner tous tes procès. Qu'est-ce que tu fais ici, David? J'avais envie de te voir. Tu voulais me voir? Oh, ça m'arrive très souvent, tu sais. Environ 10 fois par semaine. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que c'est vrai que tu vas te marier, Emma? Oui, je vais me marier. Et tu es heureuse? Oui, très heureuse. Plus heureuse qu'avec moi? Tu es bête, ça fait plus de 4 ans, voyons, on était des enfants. J'ai entendu dire qu'il s'appelait Chuck. C'est vrai? Mm-hmm. Je sais que c'est un gars sympa, mais... c'est pas un type pour toi. Arrête ça tout de suite, David. Je t'en prie. C'est de ma faute, j'aurais dû t'appeler pour t'annoncer mon mariage. Quoi? T'avais pas que je t'en dissuade? Non, mais je savais que tu essaierais. Et c'est pour ça que tu m'évites. Je comprends, remarque, c'est normal. Après 2 ans de complicité, je n'ai plus de secret pour toi. Non, je n'avais pas peur, je ne voulais pas te voir, c'est tout. Ah d'accord, bien sûr, oui, la passion au quotidien, c'est pas facile à vivre. Non. Ton pouce accélère, on dirait. Non, pas du tout. Je suis pas aveugle. Tu t'engages sur un terrain glissant ici, Bob. Je tiens à te faire remarquer que, dans cette affaire, Atlas pourrait bien y laisser des plumes, et je ne saurais trop te conseiller de réviser ta décision d'annuler cette greffe de moelle osseuse. Je suis ton avocat. Et il est de mon devoir de t'informer des conséquences de tes actes. Les juges pourraient t'accuser d'avoir laissé cette femme sans ressources mourir à cause de cette décision. Vous avez eu ma femme? Elle a eu votre message, elle vous rappelle après sa douche. Merci. Regarde comme c'est drôle. Wow. Ne vous moquez pas, c'est très utile. Regarde, que... maman. Merci beaucoup, tante Gaëlle. Oh, c'est normal. C'est super. C'est grand-chose. C'est super sexy. Ouvre celui-là. Alors, celui-ci, c'est de la part de Stéphanie. Déjà terminé? Non, mais j'avais l'impression d'être de trop. Oh, je comprends qu'il ne soit pas facile pour toi d'attraper le train en marche après toutes ces années. Non, il y a autre chose, Alex. Je me suis endormie il y a 20 ans et brusquement, je me réveille et ma fille va se marier et disparaître de mon univers. Je n'ai plus ma place dans cette maison. Lizzie, je veux que tu saches que ta place est avec moi, auprès d'Emma et de moi. Je sais que tu fais des efforts, mais nous sommes devenus des étrangers. Il se trouve que nous sommes mariés, c'est tout. Bien joué, Franck. Salut, à demain. T'as toujours autant de mal avec cette balle, hein? En tout cas, je l'attrape bien mieux que tu ne la lances. Oh, oh. Tu passais par là par hasard et tu m'as vu, c'est ça? Je ne te lâcherai pas tant que tu ne seras pas passé devant le curé. Je dois rentrer chez moi. Attends, ça te dirait de faire un tour de cheval? Quoi? Tu es fou, David, c'est fermé. C'est rien, il suffit d'appuyer sur un bouton. Viens. David! Oh,
Oh, ça fait des années que je suis pas montée sur ces trucs-là. Tu ne pourras plus le dire. David, on risque de se faire attraper. Et en plus, tu sais même pas comment ça marche. Ça doit pas être très compliqué. Allez, viens. Non, David. C'est vraiment pas une bonne idée. Il y a sûrement un bouton de commande quelque part. J'ai trouvé. Emma, monte sur un cheval. Vas-y, monte sur un cheval. Ça y est, David, on avance. C'est chouette. J'aurais jamais cru que tu oserais faire ça, David. Viens, viens. Grimpe sur un cheval. J'arrive. Super. Alors, ça te plaît? J'adore. C'est mieux que de rentrer à la maison. Oui. Tu crois pas? Oh, dommage. Oh non. Alors le juge m'a dit que si je voulais être son assistant pour le semestre prochain, il faudra que j'oublie tout ce que j'ai appris et que j'aborde les choses à ma façon. C'est génial, mais d'un autre côté, aucun de ses assistants n'a jamais fait carrière. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Hein? Quoi? T'as pas écouté ce que je t'ai dit? Chuck, si on faisait un truc sympa ce soir, on pourrait descendre au lac après dîner. J'aimerais prendre un bain de nuit. Non, je dois terminer mon exposé ce soir. S'il te plaît, on ne restera qu'un petit moment. Je suis sûre que ce sera très romantique. Tu veux de la romance? Je t'enverrai des fleurs demain. Ce soir, je dois finir mon exposé. Je suis désolée. À demain. Emma? Bonsoir. Je croyais que t'étais avec Chuck. J'étais avec lui, mais il a du travail. De toute façon, ça ne me fera pas de mal de réviser. Tu veux un coup de main? Tu veux m'aider? Bien sûr. Comment est-ce que tu crois que ton père a réussi le concours d'avocat? Très bien. Alors au travail. Chapitre 2. Allons-y. Parle-moi un peu de la loi sur les pratiques commerciales réglementées. Celle-là, c'est bon, je la connais. Très bien, je t'écoute. Je la connais par cœur. Ouais, ça fait rien, vas-y. Bon, d'accord. Alors, article 1. Est interdite toute publicité comportant des allégations ou des indications fausses lorsque celles-ci portent sur les éléments suivants, existence, nature, origine, etc. Seuls les agents de la Direction Générale des Fraudes sont habilités à constater les infractions aux dispositions de l'article L121. Ah, bravo. Merci. Merci, bravo. Quel effet ça te fait de refaire du vélo, maman? C'est vrai ce qu'on dit. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Mais si on s'arrêtait un instant? Bien sûr. Moi, je suis vannée. Quand j'étais petite, j'adorais descendre la colline à vélo à toute vitesse. Je n'avais pas peur. J'adorais sentir le vent dans mes cheveux et j'avais l'impression que tu étais là et que tu me serrais très fort. Je disais à tout le monde que tu étais mon ange gardien et que tu étais tout le temps en train de me surveiller où que je sois, tu prenais soin de moi. Oh, désormais, ça n'est plus une impression. Je suis tellement heureuse que tu sois guérie. Tu sais, Tante Gail a été formidable avec nous et je lui suis reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait, mais ce n'est qu'une amie. Et toi, tu es ma maman. La table de Monsieur Brooks. Au fond du restaurant, sur la droite. Merci. À bientôt. À bientôt, on se revoit dans 10 jours. L'addition, s'il vous plaît. Alex, je savais que je te trouverais ici. Bonjour. Comment tu vas? Tu as le temps de prendre un dernier café? Bien sûr. Assieds-toi. Garçon, deux cafés. Lydie, c'est tout, Alex.
Elle m'a posé des questions précises et je n'ai pas pu lui mentir. Oh mon Dieu. Ça devait arriver. Et pourquoi tu lui as dit, voyons? Je n'ai rien dit. Alex, ta femme est intelligente, elle s'en est rendue compte toute seule. Mais elle n'a jamais rien dit. Parce qu'elle ne veut pas que tu sois au courant. Écoute, je lui avais promis de ne rien te dire. Je suis en train de trahir sa confiance. Il faut arrêter les cachotteries, ça ne peut faire qu'empirer les choses. Je n'ai pas le droit de la faire souffrir. Nous souffrons tous. Je me sens horriblement mal à l'aise. C'est ma meilleure amie et je suis tombée amoureuse de son mari. Terrible. J'essaie de faire refleurir quelque chose dans des conditions qui ne sont pas franchement les meilleures. Les conditions vont peut-être s'améliorer. Mauvais climat, mauvais sol, il n'y a pas grand espoir. Sauf si tu y mets tout ton cœur. Tu as bien réussi une fois. J'étais plus jeune à l'époque. J'avais la fraîcheur de l'innocence. Lydie, il faut qu'on parle. Gail est venue me voir. Pas maintenant. Si, maintenant. C'est important, Lydie. Écoute-moi, enfin. J'ai connu des moments de profond désespoir tout au long de ces années. Heureusement que Gail était là pour m'aider à tenir le coup. Est-ce que tu es amoureux de Gail? Ça ne veut pas dire que j'ai cessé de t'aimer. Ça n'est pas juste. Ni pour toi, ni pour Gail, ni pour moi. J'ai perdu 20 ans de ma vie, Alex. J'ai perdu tout ce qui a fait mon bonheur. Je n'ai même pas connu Emma. Et je ne peux pas raconter mes problèmes à ma meilleure amie parce qu'elle m'a trahi, elle aussi. Calme-toi, calme-toi. Si, chérie, où es-tu? Ne t'inquiète pas, j'ai besoin de me retrouver seule pour réfléchir. Je ne sais pas pour combien de temps. Lydie. Je m'appelle Lydie Brox. Mon nom de jeune fille était Simon. J'ai grandi dans cette maison. Oh oui, je comprends. Je me demandais s'il était possible de revoir la maison de mon enfance, juste quelques minutes. Oh non, je regrette, une autre fois. Madame, madame, je n'ai pas pu dire au revoir à mes parents, vous savez. J'étais très malade quand ils sont morts. Je ne vais pas vous déranger longtemps. Ça me ferait vraiment plaisir. Bien, si vous insistez... Entrez, je vous en prie.
Vous m'avez l'air d'une brave fille. Merci bien, madame. On mettait toujours le sapin de Noël dans le coin près de la fenêtre. On pouvait le voir de l'extérieur. Il illuminait toute l'entrée. Ma chambre. Je l'utilise pour faire ma couture. Ah, vous avez choisi le bon endroit. C'est très agréable le matin. Cette pièce est baignée de soleil. Avec mon père, on jouait tous les dimanches matin. C'était lui contre moi. J'avais 14 ans à l'époque et je le battais régulièrement. Merci, Madame Thompson. C'était important pour moi. J'espère que vous irez mieux à présent. Certainement. Vous comptez rester longtemps à San Diego? Je sais pas encore. Je vais peut-être m'installer ici. Je peux vous aider? Oh, merci. Vous avez une famille quelque part? J'ai mon mari et ma fille. Je les connais très peu. Ah oui. Mon mari a toujours été ma seule famille. Nous avons vécu ensemble pendant 47 ans. Et il y a eu bien des fois où j'aurais préféré ne pas le connaître. Mais il n'y a pas une seule journée où je me sois réveillée heureuse d'avoir épousé cet homme. Ma mère aurait été très heureuse de vous connaître. Un jour, peut-être reviendrez-vous me voir pour prendre un thé. On pourra s'installer sous le porche à l'entrée. Ma mère adorait papoter le soir à cet endroit. Je serais ravie de vous revoir. Moi aussi. Emma, c'est moi, chérie. Comment tu vas? Non, calme-toi, calme-toi, tout va bien. Oui, oui. Je vais très bien, j'avais besoin de revoir ma maison. Oui. Est-ce que tu voudrais dire à ton père que je suis désolée pour la voiture? Je savais que ça serait moins difficile pour lui d'en louer une. Lui, il a son permis de conduire. Madame Sawyer est ici, Monsieur Brox. Très bien, faites-la entrer. Où? Quelle? Emma m'a dit que Lizzie avait appelé. Oui. Elle est descendue jusqu'à San Diego toute seule avec ta voiture. Oui, j'ai eu du mal à le croire. En plus, elle n'a jamais été une bonne conductrice, même quand elle était jeune. Mais tu connais son obstination à obtenir ce qu'elle veut. J'imagine que c'est pour ça qu'on l'aime tous les deux, notre Lizzie. Eh oui. Gail, écoute, lorsque je vois Lizzie se battre comme elle le fait pour rattraper le temps perdu, je retrouve toutes les qualités que j'aimais chez elle lorsque nous étions jeunes. Et tu es retombé amoureux d'elle? Oui. Tu m'as aidé à surmonter la mort de Jerry. Je te serai toujours reconnaissante pour ça. Lizzie est la femme de ta vie. Va vite la retrouver. Ne gâche pas le miracle que tu as attendu pendant tant d'années. Comment est-ce que tu as su que j'étais là? Eh bien, d'abord, je te connais bien. Et puis, j'ai procédé par élimination.
Je veux te ramener à la maison, Lydie. J'ai encore besoin d'un peu de temps. Écoute, si c'est à cause de Gail... Ça n'est pas à cause de Gail, ça n'est pas non plus à cause de toi. Le problème, c'est moi, Alex. Vous avez tous eu 20 ans pour surmonter les épreuves de la vie. Pour devenir des adultes. J'ai du temps à rattraper. Rentre pour le mariage. Fais-le pour Emma. Après ça, je te jure que je ne prendrai plus aucune décision à ta place. D'accord. Je serai là pour le mariage. Je t'aime comme avant, Lydie. Alex, il faut que tu m'aimes comme je suis aujourd'hui. Et non pas le souvenir de ce que j'étais. Je dois trouver ma place dans ce monde avant de pouvoir retrouver ma place à tes côtés. Oui. J'aurais bien aimé avoir la main verte comme toi. Il n'est jamais trop tard. Tu veux essayer? Tiens, tu prends ça, tu l'enfonces dans la terre, puis tu ressors et tu plantes le bulbe. Waouh! Vas-y. J'adore jardiner. C'est ce qui m'a le plus manqué, je crois. J'aurais aimé que tu m'apprennes tout un tas de choses. Attacher mes cheveux, mettre du rouge à lèvres, préparer un gâteau. Pour le gâteau, t'as rien loupé. Non. Je suis si heureuse que tu sois là. Je sais que tu fais des gros efforts pour trouver ta place. Mais ta place est avec ceux qui t'aiment. Tu sais, je ne peux pas rester avec ton père simplement parce qu'on s'est mariés ensemble il y a 25 ans, ma chérie. Je l'ai vu prendre soin de toi pendant toutes ces années, simplement parce que tu étais sa femme. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Je sais. Il a toutes les qualités que je recherche chez un homme. C'est pour ça que j'épouse Chuck. Parce que je sais qu'il m'aime énormément. Ah. Et toi, est-ce que tu l'aimes aussi fort? Bien sûr que je l'aime. Avec lui, je me sens en sécurité. C'est important. Mais ça ne suffit pas. On ne peut pas tout avoir. Non, mais la mariée doit avoir le sentiment d'avoir trouvé la perle rare, surtout le jour de son mariage. Il faut que tu aies la conviction d'avoir fait le bon choix, Emma, et non d'avoir choisi la sécurité. Tu penses que je suis en train de faire une erreur? J'en sais rien. Je ne veux pas que tu croies que je te pousse à choisir David plutôt que Chuck, mais j'aimerais savoir ce qui te fait peur au point de choisir la sécurité. Tu sais, ma chérie, lorsqu'un enfant grandit sans sa mère, sans quelqu'un pour le rassurer ou pour l'empêcher de tomber, il ne se sent jamais en sécurité. Alors il passe sa vie à rechercher cette protection qu'il n'a pas eue. C'est à moi aujourd'hui de jouer enfin ce rôle. Voyage. Dis donc, tu pars faire le tour du monde au moins. C'est presque ça. Je t'ai fait venir parce que je tenais à t'informer moi-même de mon départ. Vois-tu, pendant que tu te battais pour essayer de reconstruire ta vie, eh bien moi, je perdais complètement le sens des réalités. Gail, écoute... Non, Lydie, laisse-moi finir, s'il te plaît. Alex et Emma ont été ma raison de vivre après la mort de Jerry. J'avais enfin un enfant, j'avais un nouveau mari. Le problème, c'est que c'était les tiens. Je suis désolée. Je m'en veux d'avoir été si égoïste. Non, ne sois pas ridicule.
J'aurais dû me rendre compte que tu souffrais, toi aussi. Je vais beaucoup mieux. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Les affaires peuvent bien tourner sans moi. Et j'ai toujours rêvé d'apprendre à cuisiner à Paris. Je t'en prie, ne pars pas tout de suite. Je m'en sortirai jamais toute seule. Mais je ne pars pas pour toujours, tu le sais bien. Pense à ton mari et à Emma. Ils ont besoin de toi et de toi seule. Si je sors un instant de votre vie, vous aurez enfin une chance de construire une vraie famille. Quant à moi, j'ai besoin de cette distance pour comprendre qui je suis vraiment. Et essayer de repartir à zéro. Avec toutes les femmes qui lui tournent autour, il fallait qu'il tombe amoureux de toi. Pourquoi a-t-il choisi ma meilleure amie? Tu plaisantes, j'espère? Comment aurait-il pu me résister? Oh, Gail. Non, je pense que dans un an, on pourra s'offrir une petite maison dans un quartier sympa à l'extérieur de la ville. Je vois que tu as déjà tout planifié. Qu'est-ce que tu as, Emma? Tu as changé depuis quelques jours. J'en sais rien. Le mariage me rend nerveuse, je suppose. C'est bientôt le grand jour. Tu es nerveuse ou tu as changé d'avis? Viens, on va faire un tour de manège. Non, mais tu es folle. Viens, on va s'amuser un peu. Non, mais c'est fermé, enfin. Mais je sais comment ça marche. Mais arrête de faire l'idiote. S'il te plaît. On va se faire embarquer par la police. Enfin, Emma. Mais tu n'auras pas le concours avec un casier judiciaire. Un casier judiciaire pour avoir fait un tour de manège? Je peux savoir ce qui se passe? J'en sais rien, Chuck. Écoute-moi, s'il te plaît. Je suis peut-être pas le plus romantique des garçons, mais je suis sûr d'une chose. Je suis amoureux de toi, et je pensais que tu l'étais aussi. On voulait tout partager, non? Mener notre carrière ensemble, c'est bien ce qu'on avait dit, non? Je sais. J'ai changé d'avis. Tu réalises ce que tu es en train de me dire? Je suis désolée, Chuck. Faut pas m'en vouloir. Mais je suis pas prête pour le mariage. T'es en train de faire la plus grosse bêtise de toute ta vie. $10 que je te gagne. Je n'accepte que les gros enjeux. Annonce la mise. C'était déjà $10 il y a 20 ans. Je sais, mais je risque de subir une baisse de salaire plus tôt que prévu et notre train de vie va en subir les conséquences. Comment ça? J'ai vu Rodney aujourd'hui. Tu te souviens de lui? Ouais. Je vais travailler pour sa clinique. Quand as-tu pris cette décision? Après avoir vu dans tes yeux ce que j'étais devenu. J'ai pas tellement aimé ce que j'ai vu. T'es sûr de faire ça pour toi-même et pas pour me faire plaisir? J'en suis sûr. Mais c'est aussi pour te prouver que je t'aime toujours. Je t'aime parce que tu m'as ouvert les yeux. En tout cas, je peux te dire que le nouvel homme qui est devant moi est très attirant. I remember the first time I held you all night long. Well, we're still here now, but where have all the years gone? Holding you this way tonight, it's easy to see. Je savais bien qu'il en restait. Vas-y, on va prendre 10 kilos. On fera du sport. Tiens, goûte-moi ça. Qu'est-ce que t'en dis? C'est délicieux. Tu veux goûter?
Je vois que vous avez retrouvé le sourire tous les deux. Emma, désolée. Ah, on voulait fêter ton mariage avant l'heure. Voilà, j'ai quelque chose de très important à vous dire. J'ai décidé d'annuler le mariage. Je ne suis pas prête et je ne suis pas sûre d'avoir fait le bon choix. Chuck est au courant? Chérie, tu as bien réfléchi? Oui, maman, j'ai longuement réfléchi. Je suis désolée d'avoir attendu le dernier moment, je ne voulais pas vous décevoir. Et puis vous avez tellement dépensé d'argent pour le buffet et le reste. Ne t'inquiète pas pour ça. Bon. Et si nous fêtions la décision d'Emma? Je suis là. Je sais. Notre Emma est merveilleuse. Ouais. Pas aussi jolie que sa mère. Merci. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. On avait prévu un mariage ce soir. On pourrait peut-être arranger ça. Épouse-moi, Lydie. Marions-nous encore une fois. Soyons fous comme à 20 ans, chérie. Dans cette salle? Oui. Maintenant? Mais pourquoi pas? Tous les gens qu'on aime sont ici ce soir. C'est le meilleur moment. Alex, on ne pourra jamais revenir en arrière. Jamais. Veux-tu m'épouser? Ça veut dire oui. Lydie, je ne pourrai jamais te rendre toutes ces années perdues. Mais je promets de tout faire pour te rendre heureuse jusqu'à la fin de ma vie. De t'aimer, de te protéger jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es ma femme et je t'aime de tout mon cœur. Merci. Alex, aucun homme n'a jamais montré autant de patience et de dévouement que tu ne l'as fait pour moi. Ce soir, devant tous nos amis, je promets de réaliser sans attendre tous nos rêves de jeunesse et de rester à tes côtés jusqu'à mon dernier jour. Je t'aimerai toujours de tout mon cœur. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter mes parents, monsieur et madame. Alex Brooks. Someday we'll be together forever. Bravo. Oh, merci Michael, c'est très gentil. Merci. Beaucoup de bonheur. Merci. 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 C'est très gentil. J'espère que la surprise était réussie. Merci. Très heureux. Merci. 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 Alex. Oui, mais tu viens? Tant mieux. À tout de suite.